soir, on est full. Ouais. On est vraiment full. Et vous tournez à combien de couverts par jour à peu près? Enfin, de sandwich. Aujourd'hui, il y a des jours jusqu'à 400. Waouh. Ouais. Mais 400, ça veut dire combien de broches? On a commencé avec 600 sandwichs. Waouh. Donc, et là, vous êtes 1, 2, 3, 4. 4 personnes? Ouais, on a un qui fait la coupure. Ok, d'accord. C'est chaud quand même. Hein. Faut fournir, faut avoir de l'énergie. Faut envoyer, faut tabasser, faut balancer. Ok, d'accord. Et du coup, tu as dû former. Tout le monde est aussi un peu cuisinier dans. Tout le monde est cuisinier. Le collègue, il est très professionnel. Lui, il a 14 ans d'expérience dans le shawarma. Ok, ouais, quand même. Ouais. Hein, ça va, ça aide. Ah, c'est lui qui nous a épaulés. Salut, chef, ça va? Merci à toi aussi, mon gars. Et on a un petit jeune qui vient d'arriver aussi. Ok. Il est cuisinier aussi de formation, il est pâtissier. D'accord. On a notre collègue Yasmine, elle est nouvelle aussi, elle nous fait la caisse. Elle okay. fait la prise de commande. Du coup, avec le temps, on s'est adapté un petit peu. Salut Kiki, ça va? Du coup, avec le temps, on a développé un système un peu spécial. Du fonctionnement de la maison, en fait, j'ai découvert que chaque établissement a son système spécifique de fonctionnement. Ok. Et du coup, au fur et à mesure, on a développé, on a trouvé les points forts et les points faibles qu'on a améliorés au fur et à mesure. Avant, on travaillait juste à la voix avec les clients. Ouais. Aujourd'hui, on a mis un système de tickets. Ok, d'accord. Double. Ouais. Je voudrais dire, on a une prise de commande qu'on laisse ici, on a un double avec un même numéro qu'on donne à nos clients. Ouais. Une fois la commande elle est prête, ici, tac, on envoie là-bas, ils mettent dans le sac les sauces, okay. les frites, et on annonce par exemple, si c'est le ticket, c'est le 19 s'il vous plaît, et la personne qui a le petit ticket 19, elle se présente, elle récupère son sac, comme okay. ça c'est plus fluide, c'est plus organisé. Ouais, c'est optimisé, ouais. Il n'y a pas de... De croisement, de perte de temps et tout ça. De commandes. Ok, ouais. Et tout et tout. Et du coup, comme je t'avais dit, on avait commencé avec 6 sandwichs par jour, 10. Ah oui, ah j'avais entendu 600. 6 sandwichs 6 par jour. Ok, versus 400 aujourd'hui. Voilà. Entre 200 et quelques en semaine, le week-end jusqu'à 400. Mais les 6 au départ, t'étais tout seul? Tout seul. Ok, d'accord. Et c'était directement dans cet endroit-là? Ah, direct. Salut, chef, bye bye. Direct dans cet endroit-là. Et donc, tu devais gérer la prise de commande, la réalisation des sandwichs et du coup... Ah ouais, chaud quand même. Ouais. Et ça a duré combien de temps, le fait que tu sois tout seul? Allez, octobre, on va dire jusqu'à janvier. Quand même. 2020, janvier ouais. 2021. J'ai annoncé un collègue de la fermette Marbeuf. Je remercie énormément. Ouais. Momo m'a beaucoup aidé, okay. vraiment beaucoup, plus que beaucoup même. D'accord. Je l'avais sollicité pour me donner un coup de main. Du coup, il s'est trouvé à venir travailler avec moi tous les jours. Ok. Et ah oui, quand même. Je pense c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu respirer au début. Parce que je pense que si j'avais commencé dès le départ à recruter, je pense que ça aurait été compliqué. Ok. Mais attends, donc tu étais tout seul, mais tu devais aussi gérer, aller chercher les produits, oui. à Rungis, oui, c'est oui, tout oui. ça aussi, oui, donc oui. ça veut dire... Ça c'était dans... tout est dans la formule en fait. Ouais, mais donc ça veut dire que tes journées, elles commençaient à 5h du mat et elles...